Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et on va ouvrir une nouvelle Pokéball ensemble dans cette vidéo pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est que cette Pokéball? Alors c'est une Pokéball qui est blanche sur le dessous et puis qui est légèrement... Alors c'est pas doré vert on va dire, qui est plutôt, oui, une sorte de vert noir avec un petit liseré rouge en forme de V. Donc... on va ouvrir ensemble cette Pokéball, afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, dans chaque Pokéball, il y a 3 boosters. Je ne sais absolument pas les éditions de ces boosters. Est-ce que c'est des éditions récentes, épée et bouclier, ou plutôt anciennes, soleil et lune? Jusqu'à présent, les Pokéballs contenaient plutôt des boosters assez anciens, mais il me semble qu'il y avait une Pokéball qui était de 2021. Alors, on ne sait jamais. Bon, après, ça sera la surprise. On a toujours... c'est vrai que... l'intérêt aussi de ces Pokéballs, c'est de pouvoir avoir un objet qui va servir de décoration. Parce qu'elles sont vraiment... toutes ces Pokéballs sont magnifiques. Je crois que jusqu'à présent, elles sont en compté 7 différentes qui sont assez récentes. Voilà, donc, hop, voilà la Pokéball. Elle est magnifique. Rien que ça, voilà, je suis content de l'avoir pu me la procurer. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir. On va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'eau. Hop, de pas trop l'abîmer. Alors effectivement, on a 3 boosters. Eh ben oui, c'est toujours comme prévu du Soleil et Lune. Hein. Je pense qu'il complète des éditions Ultra Prism, Eclipse Cosmic et Tonnerre Perdu. Bah, comme les dernières Pokéball. Et puis on a aussi un nouveau jeton, une nouvelle pièce holographique. Il faudra un jour que je fasse une vidéo sur mon petit coffret, magique. Pokéball est vraiment magnifique. J'ai un coffret justement où je stocke toutes les pièces qui ont été récupérées au fur et à mesure des années dans des lots ou dans des coffrets. Voilà, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. J'ose pas trop forcer parce que... voilà. Super. Elle est magnifique celle-là. Elle est dans la collection. Je vais la laisser là. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous faire découvrir les 3 boosters. Et bien sûr, je vous proposais aussi le visu sur les cartes du JCC Online qui sont à l'intérieur. Les amis, écoutez, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche. En fait, la petite cloche, c'est tout simple. Ça va vous permettre de recevoir une petite notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Comme ça, vous serez averti. Alors, on va commencer par Soleil et Lune Ultra Prisme. Donc c'est... l'USL quelque chose, la carte code, celle-là je vais la donner mais à la fin de la vidéo. Et voilà, et je vais vous faire découvrir les cartes. Allez, c'est parti, on commence par Farfuret. Donc en premier j'ai mis les communes, hein. Evoli, Magmar, Spododo, Tiplouf, et maintenant on a les peu communes, Seriflore, Skateboard Évasion, Trio Piqueur, d'Alola. On a une petite carte énergie. Et la reverse, Tiplouf, c'est une commune reverse. Ok, allez, la rare maintenant. Hop, oh, une holo rare, Charcos. Ah, bah c'est pas mal, une petite holo rare, super! Super, généralement, c'est. Enfin, la plupart des Pokéballs que j'ai pu ouvrir, il n'y avait pas grand chose, à part une. Qui était assez exceptionnel. Donc je sais pas, on va voir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Mais déjà, en tout cas, j'ai une carte holorare, Charcos. Donc c'est cool, c'est cool. Allez, Soleil et Lune, Tonnerre Perdu. En plus, c'est des cartes en français, comme vous pouvez le voir. Précision. J'oublie pas que cette carte, je vous la montrerai à la fin. Par contre, là, je vais vous montrer la carte code tout de suite. Hop, pour ceux qui souhaitent récupérer le code du JCC Online. Voilà, hop, c'est parti. Et là, on a ouvert, donc j'ai ouvert le deuxième booster, c'est Soleil et Lune, Tonnerre Perdu. Hop, je vais y décaler comme ça. Allez les communes, Granivol, Stracie, Zibibon, Onyx, Mimigal,
Peu commune maintenant, Masco. Sac aventure. Xatu. Peu commune. Et donc on a une énergie plante. Et en reverse, on a Watuat. C'est une commune. Commune électrique. Reverse. Allez, la rare maintenant. C'est parti. Oh, Chemin, une holorare. Deux holorares. Alors effectivement, j'aurais peut-être pas une super carte dans cette petite Pokéball, mais j'aurais eu deux holorares. Donc c'est cool, franchement. Chemin. Waouh, cool. Cool, bah voilà, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors que le but principal quand même de cette Pokéball, c'est de pouvoir récupérer une Pokéball pour la déco. Donc allez, on va ouvrir le dernier booster. Donc c'est Soleil et Lune, Eclipse, Cosmique. C'est la dernière édition, donc, et c'est le 12 de Soleil et Lune. Donc en premier, la carte du JCC Online. Voilà. Et je vous donnerai la troisième à la fin de la vidéo. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Je vais décaler un petit peu pour pouvoir les poser tranquillement. Et on a les communes. Skelenox. Tritonde. Flabébé. Sabelette d'Alola. Ponyta. Celle-là, elle arrive souvent parce que je crois que j'en ai vu jusque dans le set de base des Ponyta. Il me semble qu'il y en a même au moins une dans le set de base. Ah, alors les peu communes. Boule de nœud. Un jour, je ferai des vidéos, dès que je pourrai, avec les cartes sur les sur les Pokémon. Carrément. Je sors toutes les cartes d'un Pokémon. Primplouf, pardon. Anorit. C'est les peu communes. Et l'énergie bleue, l'énergie eau. Allez, maintenant la reverse, c'est parti. Oh, Sabelette, c'était une commune. Sabelette d'Alola. Non, une commune, reverse. Et la rare, c'est parti. Chou chou chou. Cop canaille, une rare normale. Ok. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai quand même eu. Je suis plutôt content parce que j'ai quand même eu. Avant de nous montrer cette carte, deux holos graphiques rares. Voilà. Donc, en plus de la Pokéball qui est plutôt sympa. C'est cool. C'est cool. Et maintenant, je vais vous montrer pour terminer la vidéo la dernière carte à code du JCC Online, les amis. Voilà. Alors si voilà, si certains sont intéressés, ils peuvent récupérer ce code. Si vous êtes fair play, les amis, prenez-en qu'un par vidéo, comme ça vous laissez pour les copains, pour que dans cette vidéo, il y ait trois personnes différentes qui puissent en profiter. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.